au barre asymétrique. Nastassia Kolesnikova. Que Léonie Darkaev avait préféré à Kuznetsova dans sa sélection olympique. Alors on va voir ici si au Massilia, elle est capable de faire mieux au barre asymétrique que sa collègue. Elle était dans l'équipe vice-championne olympique à Sydney. Voilà, le Stalder. Passage sur le dos. Un endo en prise cubitale. Oui. Donc elle se distingue par ce travail proche de la barre. Salto avant Jaeger. À nouveau un Stalder. C'est sa spécialité. Salto arrière tendu entre les barres. Accélération sur le soleil et probablement le double arrière tendu. Non, c'est une brise, salto arrière corps coupé. Oh. Excellent programme en tout cas. Du rythme, de la difficulté et pas de faute. C'est du très haut niveau. Il y a beaucoup de peps, beaucoup d'énergie chez les deux gymnastes russes. Oui, sa spécialité, le travail avec les jambes écartées proches de la barre, que l'on appelle endo en avant ou Stalder en arrière. Le salto avant Jaeger avec une belle amplitude. Bien repris. Et on voit le détail de la prise des mains. Et on voit qu'elle travaille sans protection. Et la sortie. La vrille salto arrière, corps groupé. Le fouetté, l'élévation. Et la fille.